Bon, tu verras, ça va en l'état, t'as un petit creux. Mais ça, il est pas trop pesant. 2004. Ouais, 2004. Mais en on, hein, c'est mieux que ça. Voilà. Bon, elle a du mal à tenir le ralenti, mais bon. Bon, du coup, les amis, petit essai. C'est le guidon ou la roue qui est un peu tordue? Ma foi, écoute. Petit essai d'un 300 gaz-gaz de 2004. Ah oui! Ah oui, quand même! Ah oui! Voilà, 300 gaz-gaz de 2004, piston refait. Eh, ça tire pas mal, hein! Oh là là. Ah, ça tire pas mal, hein, ça tire bien. Oh, oh, oh. Après, tu vois que c'est un enduro et pas un vrai cross, genre. Tu sens que les suspensions, c'est pas pareil. Oh, faut pas que j'oublie qu'elles tiennent pas le ralenti. Suspension, c'est pas pareil. Tu sens que. Tu sens que tout est différent quand même dessus. Enfin, tout. C'est pas exactement pareil, quoi. Après, voilà, moi en vrai, je kiffe le 2 temps. C'est juste que j'ai voulu commencer avec un 4 temps. Mais vous inquiétez pas, les amis, tôt ou tard, il y aura un petit 2 temps qui viendra en complément du 4 temps. Hein. Et je dis bien en complément, je dis pas en foiré, je dis pas en remplacement. Ah ouais, ça pousse. Par contre, la suspension avant, t'as beaucoup. Alors, je sais pas si c'est la prépa, le réglage ou le pneu qui est peut-être beaucoup gonflé. Hop là, tu vois. Ah, foiré. Ça balance des caillasses. Il y avait une caillasse en plein milieu de la flaque. À droite, mon ami. Je me trempe et je m'en bats les couilles, c'est trop bon. Eh ben dis donc. Tac. Thank you.
Ça marche plutôt bien hein, pour une ancienne moto. Hein. Mais je crois qu'on n'a pas pris le bon chemin là. Bon, ça marche bien hein. Pour une ancienne. Ouais mais bon je veux dire c'est une vieille moto, ça sort pas les mêmes chevaux que les récentes mais Non mais quand même, c'est ça qu'on a acheté. Ouais. Après en fait, c'est quand tu as haut dans les tours, c'est pas. Enfin, j'ai pas trouvé ça aussi violent que la 125L comme elle faisait. Après c'est peut-être juste parce que je me suis habitué à des trucs comme ça, mais genre. Ça tire hein. Après par contre c'est quand ça fait le. Là par contre tu sens que d'un seul coup ça. Genre ben tu sens, tu accélères. T'as le pneu il tracte et d'un coup il patine. Alors que moi ça patine dès le bas régime. Donc tu sais que dans tous les cas tu te mets en 5H24. Moi quand je sens sur le virage, j'accélère trop haut dans le régime, ça part du coup. Ouais. Parce que moi je même en 5, tu vois, sortie de virage, accélère, je sais que ça patine. Elle, ce qui est bien, c'est que dès que tu sens que ça commence à partir, ouais. Bah soit tu te laisses tirer, tu t'amuses à tenir la moto, soit tu passes ton rapport en te disant ça continue à accrocher, et là tu peux rouler fort. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux doser, tu vois, entre je veux rouler fort mais sans que ça glisse. Et je veux rouler comme un âne, tu vois. Alors que là, peu importe comment tu veux rouler, tu roules comme un mongolien avec ça. Parce que même à bas régime, ça patine. Ah ouais, pour un. Ouais, c'est bon. Ah, le gland. C'est vrai que le kick ça fait plus moto d'homme et vrai cross, tu vois. Cependant, quand tu es déjà fatigué d'avoir roulé, le démarreur électrique, tu le kiffes quand même. Ouais, on va voir ce qu'ils font. En tout cas, tu vois, à force d'essayer de deux temps, ça me conforte dans l'idée de vouloir m'en prendre un après, tu vois, pour m'amuser différemment suivant les sorties que je veux faire.